30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Bon, à peu près. Bonjour. Ça nous est déjà arrivé de tomber par hasard sur un « Où est Charlie ?» et de rester des plombes sur un dessin bourré de détails. On culpabilise en se disant « Bof, hey, c'est pour les petits ». Mais en fait, on y revient toujours. Ici, avec Micro Macro Crime City, c'est un peu la même chose. Il y a cette énorme carte que l'on déplie, on tombe alors dans une ville belle, active, attractive, qui grouille, qui bouge, qui se secoue dans tous les sens. Ensuite, il y a le côté mystérieux de l'objet ludique. On a des enquêtes plus ou moins compliquées à élucider. C'est là que la mécanique fait sens. Tout bouge, tout peut se mouvoir. On peut observer une scène du début à sa fin. Il y a un côté film d'animation sans animation. C'est là tout l'intérêt du jeu, un ovni ludique très très bien pensé par Johannes Stich, sélectionné d'ailleurs cette année pour l'As d'Or à Cannes.